Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite sortie assez brève, les conditions météo ne sont pas au top. On s'attend à voir des rafales de vent et de la pluie. Et qui dit rafale de vent dit danger en forêt avec les arbres malades dans le Grand Est. Donc je pense que ça sera une sortie avec quelques champignons à vous montrer. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à soutenir la chaîne Les Champipotes en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en activant la cloche. Je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao ciao! Regardez-moi ce frêne. Immense. Immense. Avec une écorce absolument magnifique, super bien dessinée. L'écorce qui n'est ni plus ni moins la peau de l'arbre. Ce qui le protège. L'arbre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'écorce. Mais ce motif, absolument magnifique. Avec ses crevasses verticales en forme de diamant, on va dire, caractéristique de cet arbre. Cet arbre doit être super vieux. On a une petite pluie qui est en train de tomber, une petite humidité. Ça va faire du bien. Je doute que ça soit assez, mais on va espérer que nos morilles continuent à sortir. J'en ai déjà ramassé à la fin avril, donc on va croiser les doigts. Les champipotes en bordure de chemin, une petite cueillette, une sortie qui s'annonce bien avec découverte de la mer des morilles, la Pésis veinée. Ça a commencé ici, je les ai vus du coin de l'œil et on va regarder ici. Donc là, c'est pas mal. On a des gros spécimens de cet ascomycète. On en a là-dessous qui se cache, encore ici. Donc on est sur une belle tache. Et là, on peut les cueillir parce qu'elles auront eu le temps de sporuler. Elles ont une taille assez conséquente. Et ça, ça fait énormément plaisir parce qu'on a trouvé une nouvelle place. Et on peut se dire qu'on pourra revenir. On est en bordure de chemin et pas de route. Je déconseille vivement de cueillir les champignons qui sont trop près des routes passantes où il y a des voitures. Allez hop, on y va. Et j'en vois un peu partout. Elles sont assez sympathiques. On laisse le pied. Une première. On a encore ici. Elles sont un peu mouillées parce qu'on a de la pluie en ce moment en Alsace. Mais néanmoins, ça va être assez sympathique. On continue avec notre belle cueillette de Pésis veinée. Elles ont vraiment poussé par troupe. Comme vous savez, on la surnomme la mère des morilles, car elle pousse un peu avant les morilles ou en même temps, et bien souvent sur des places à morilles. Là, ça devient très intéressant. On va ramasser celle-ci. Il y en a pas mal. On va se mettre en position. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a pas mal de vent. On s'installe et ça va être pas mal. Ici, c'est des gros spécimens. On a vraiment la Pésis, la grosse Pésis par excellence. Une. Deux.
va chercher celle-ci. Elles ont vraiment eu le temps de sporuler. Et comme vous pouvez voir, les spores sont encore en train de sortir. On va les mettre sur notre petit tas. Ici, j'adore ce champignon, c'est une très bonne alternative aux morilles. À défaut de morilles, vous pouvez toujours vous faire plaisir avec des pésises veinées. C'est un champignon que vous ne pouvez pas confondre, c'est un champignon que vous ne pouvez pas confondre avec les autres. Voilà notre belle cueillette de pésis. Sur ce, on va continuer à regarder autour et puis à se faire plaisir. Regardez ça. C'est vraiment de la belle taille de pésis. Je suis assez content. Maintenant, on va essayer de trouver des morilles. Vous voyez les champipotes là, un très joli frêne et beaucoup de dégâts dans cette forêt. C'est bien dommage. Je pense pas continuer cette sortie. Car comme vous l'entendez, on a beaucoup de vent. Et avec tous ces arbres qui sont vraiment fragiles, ils sont comme un château de cartes, je ne vais pas prendre davantage de risques si je vois que les conditions météorologiques s'empirent. Là, nous avons l'œil des ours. Comme vous pouvez voir, ça y est, il commence enfin à s'avancer. Dans certaines régions de France, il est beaucoup plus avancé qu'ici. On va jeter un coup d'œil à ce bourgeon. Regardez, il est prêt, la fleur est prête à sortir. On va s'avancer un peu plus. Et déjà, c'est pas mal, on a trouvé la mère des morilles. Un champignon, comme vous savez, comestible, cuit, mais pas cru, et qui nécessite ces 20 minutes de cuisson. Et bien sûr, toujours se débarrasser de l'eau de cuisson. Et après, vous pouvez continuer à préparer votre plat. Moi, personnellement, je les adore en omelette. Ça ne remplace pas la morille, mais déjà, avec un tout petit peu d'ail d'ours, c'est un plat qui émoustille les papilles. Là, on regarde, je vais m'avancer, voir, peut-être, avec un peu de chance, je pense pas, car maintenant, à cette époque-ci de l'année, les morilles qu'on trouve, c'est les morilles qui se voient le mieux, c'est les grosses blondes. On peut les voir des chemins. Ce ne sont plus les morilles en plein bois qu'on trouve, c'est les endroits délaissés. Bien souvent, en bordure de chemin, en bordure de champs. Des champs, bien sûr, qui n'ont pas été traités au glyphosate, aux pesticides. Car, comme vous le savez, la morille vit en symbiose avec l'arbre. Donc, à partir du moment où vous avez un arbre contaminé, autant vous dire que la morille ne va pas s'y plaire. On est dans une forêt avec beaucoup d'ail des ours. Ça y est, ici on a la belle fleur d'ail des ours. Toujours, comme vous le savez, une feuille unique. Donc une feuille qui descend jusqu'au pied. Pour ne pas se tromper avec le muguet.
Notre forêt est dans un état assez catastrophique. Une vraie forêt de Mikado. J'espère que cette petite sortie raccourcie à cause du vent vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et ça, je vous en remercie en vous abonnant, en activant la cloche pour être averti des prochaines sorties mycologiques. Vous voyez, je pense trop à la météo. Et en mettant un pouce bleu et un commentaire. Et dès que j'ai quelques minutes de disponible, je reviens à vous. C'est la saison des morilles, donc je suis sorti assez souvent. Et autant que je peux, j'essaye de vous répondre rapidement. Et si je ne vous réponds pas dans l'immédiat, ça sera fait. Vous inquiétez pas. Allez, ciao ciao les champipotes.